Salut à tous, c'est Sam Kibo et j'espère que vous allez passer un bon moment. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode de la campagne de Modern Warfare 2. J'espère que ce petit let's play vous plaît. En tout cas, moi, je me régale. Petit rappel, petit résumé avant de commencer cet épisode 4. Avec les potes, on a réussi à capturer Hassan, donc le grand méchant chauve. Malheureusement, on n'avait pas assez d'éléments contre lui pour le garder prisonnier, donc on a dû le laisser repartir. Mais on a réussi à avoir quelques informations avec son téléphone concernant une base ou un endroit où il y avait des choses assez intéressantes. Donc là, on va aller en mode infiltration avec Captain Price, je crois, et deux autres personnes. Donc on y va maintenant, c'est parti. Reconnaissance clandestine. Avec Laswell, on soutient Price et Gaz infiltre un centre de contrebande du cartel sur les côtes espagnoles pour tenter de localiser les missiles ennemis. C'est parti, mesdames et messieurs. Watcher 1 à Bravo, je suis en position. Je suis à 500 mètres de la côte, je vois des structures. Votre situation? On est en place au point de tir. J'ai repéré deux cibles armées cachées dans le champ. Feu vert, tirez dès que possible. Reçu. Bougez pas. Gaz? Il n'y a pas de vent. 200 mètres. Avec moi. Bravo, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est magnifique, c'est magnifique! Bravo, vous me recevez? 5 sur 5, Watcher. 2 de moins. Bien joué. Avancez et voyez ce qu'il y a. Oh non, ils ont fait le coup! Des patrouilles mobiles et une équipe au sol, droit devant. Regardez dans votre lunette, sergent. Voyons à quoi on a affaire. Je les vois. Des hommes du cartel? Très certainement. Va falloir les contourner en rampant. Et découvrir ce qu'ils essaient de nous cacher. Restez cachés dans les herbes. Il est inutile de les affronter. Incroyable! Ah, j'adore ce genre de mission. Watcher pour Bravo. Comment ça se passe, les gars? On avance, Laswell. Il y a pas mal de membres du cartel sur place. Vous voyez quelque chose qui pourrait contenir un missile? Négatif. Entendu. Continuez les recherches. Terminé. Restez baissé, Gaz. Ok, je me suis emballé. Je profitais un petit peu, mais je crois que j'ai trop profité. J'envoie deux à gauche. Utilisez la vision thermique pour repérer mon laser. Attends. Un petit peu trop d'herbe? J'ai un visuel. Oh. Prenez un, je m'occupe de l'autre. Vas-y. 3, 2, 1, feu. Dans le mille. Le talent se perd pas. Eh non. Avancez, mais vous éloignez pas. Ok. Attends, je recharge. C'est quoi comme sniper ça? Bravo, c'est pas un verrou ça. Quelle est votre situation? On est proche des éoliennes. Reçu. Rejoignez les arbres devant vous. Ça vous aidera à rester à couvert. Reçu. Attendez. Le véhicule en approche. Oula ! Un camion porte-conteneur. Ouais, juste assez grand pour contenir un missile. Suivons-le. Bravo, ça va être un petit peu long, hein. Des véhicules se déplacent au nord de notre position. L'un d'eux transporte un conteneur, et peut-être les missiles. Reçu. C'est ce qu'on cherchait. J'avance le long de la côte pour plus de visibilité. Ne le quittez pas des yeux. Compris. Terminé. Il y a un tunnel sous la route. Ça nous permettra de traverser. Ok, je vous suis. Cartel et terroriste. Une drôle d'association, n'est-ce pas? Les terroristes s'accrochent au passé, alors que le cartel a les yeux rivés sur l'avenir. Alors, qu'est-ce qui les rapproche? Les territoires et le sang frais, ça attire les jeunes. Ces groupes ne manquent jamais de candidats. L'herbe est plus
plus haute ici. C'est parfait pour la discrétion. Accroupissez-vous et faites-vous petit. Oh oh. Ignorez-les. Ça nous compliquerait trop la tâche. Oui, chef. Oh. Hop. Il y a du mouvement. Quelques unités de patrouille. Droit devant. Cachez votre arme, Gaz. Essayez d'anticiper leur déplacement. Oh non, pas ça! Si vous devez bouger, faites-le le plus lentement et discrètement possible. Je vais me mettre juste derrière lui. Normalement, si je me mets derrière lui. Ils vont passer tout près. Oh non, j'aime pas ça. Ah, ça rappelle code 4. Hein. Oh merde, il y a un dernier. Pas si vite. J'en vois deux plus loin. Confirmez le visuel avec votre vision thermique. Attends, il vise qui là? C'est quoi ça? Il pointe qui au laser là? Je comprends pas. Attends, il délire. Ah non, c'est le laser son arme, je crois. Mais sinon, c'est eux. Et... Je m'occupe de son pote. Ok. Ah, il choisit, regarde. Il bouge le laser. Ok, 3, 2, 1, boum. Ah, abandon de poste. Parfait. Ah, je comprenais pas parce que je pensais qu'il m'indiquait avec son laser où étaient les cibles. Comme tout à l'heure pour les snipers, allongés. Mais non. Gaz, la structure là-bas. Pas de mouvement à l'extérieur. Il pourrait y avoir des hommes à l'intérieur. Merde, je me trompe de touche. Utilisez votre capteur cardiaque pour détecter la présence d'ennemis. Mais non, Oula. Sac à dos. Ah, on a un sac à dos. Comme sur Warzone, les gars. Ah, je peux choisir. Mais c'est incroyable. Ok, équipé. Ah, c'est magnifique. Oh, le capteur. Capteur cardiaque. Là-bas. RS, rien à l'intérieur. Il y a du monde à droite, hein. Reçu. Vous arrêtez pas. Derrière nous aussi. Ah, c'est pas mal, ça, le petit sac à dos. Et on capte même Price. Ils sont arrêtés pour papoter. Inutile de les attaquer. On peut passer sans être vu. Elle parle de eux. Je vois plus. Reçu. Je le surveille. Vous arrêtez pas. Bon, je sais pas qui l'a vu, mais... Les arbres là-bas. On va devoir grimper. Les arbres nous fourniront une meilleure couverture, mais restons vigilants. Faites attention, le porte-conteneur s'est arrêté. Il le décharge peut-être dans l'entrepôt. Plusieurs unités armées à proximité. Reçu. Laswell, Kate, Watcher. Ici, hein. Laswell. Dites-moi tout, Garrick. What? C'est quoi votre arme préférée? Ça fait quoi d'être... Ouais, ça fait quoi d'être sur le terrain? Ça fait quoi d'être de retour sur le terrain?
Je suis là parce que je me sens responsable. J'ai besoin de savoir comment ça a pu arriver. On traque des cibles connues, probables ou suspectes, Kate. Celle-ci coche toutes les cases. T'as de la chance de me battre à vos côtés. Allons tordre le cou à l'ennemi. Si l'un de ces missiles frappe une ville, il y aura des milliers de morts. Et c'est une première, ça, de pouvoir discuter. Derrière cette crête, on devrait avoir une meilleure vue sur le bâtiment principal. Si les missiles sont là, il est possible qu'ils les gardent à l'intérieur. On longe les éoliennes en direction de la crête, Laswell. Bien. Vous approchez des bâtiments principaux. Vous les verrez depuis le sommet de la colline. La météo joue en notre faveur. Brouillard épais, peu de visibilité. Et avec notre Nugili, on pourrait passer inaperçu. Moi, je disais Grizzly, pas Gilly. Bon bah, c'est Gilly, les gars. Hein. Arrêtez de vous tromper. Bâtiment principal en vue, 400 mètres à une heure. Compris. Mettez-vous en position dans l'herbe et jetez un coup d'œil à la zone. Ok. 400 mètres. Ah ! Ah vache, capitaine. Il y a du monde ici. Affirmatif. Le cartel est partout. Ne tirez pas. Attendez que je vous aide à ajuster le tir. Watcher, on est en position. Éliminez-en autant que possible de là. Commencez par ceux qui sont seuls. Ah ouais. Merci. Allons-y, chef. Il est seul. Je lui ai mis une balle. Sale journée pour lui. Merde, j'ai oublié de calculer la redescente et tout. Regarde, ils doivent pas découvrir les corps de l'autre patrouille. Oh merde, j'ai fait de la... Oula. Quand vous voulez. Ouais, il faut que j'ajuste. Seul. Compenser la chute de balle de deux encoches et demie. Deux encoches et demie, là? Non, ça me paraît beaucoup. Ah ouais, il avait... Le cartel de la Salmas recrute. Il avait raison. Deux encoches. Trois encoches et demi de chute de balle. Ok. Bam. Pile sur la cible. Tous les sicarios doivent disparaître. Lui, il est assez proche quand même. Que lui. Trois encoches. Un, deux, trois. Soleil. Ça, c'est un tir mortel. Fin de parcours pour lui. Ah, j'adore les phrases. Qui est seul maintenant? Je vois personne qui est vraiment seul là. Hein. Éliminez-le. Je prends l'autre. Ici? Là? Combien d'encoches? Je dirais deux. Là, je le touche. Je l'ai fumé. Bien visé. Oh, c'est beau. Qui maintenant? On fait deux par deux? Là, on peut les avoir. Hein. Trois encoches. Trois encoches. Bam! Je l'ai eu. Parfait. Ah lui là-bas il est seul. Il est tout seul. Trois encoches. Quatre encoches. Bam! Dans la nuque. Boum. Joli. On peut faire les deux à droite là-bas. Neutralisez-le. L'autre, j'en fais mon affaire. Trois encoches. Trois encoches et demi. Ennemi. Bam! Mort la poussière. Le talent se perd pas. Lui il est seul. Attends, lui il bouge. Lui il est seul. L'autre est parti. Il est tout à vous. Trois encoches et demi. Trois encoches et demi. Bam! Net et sans bavure. Lui aussi. C'est pas bon être un narcotrafiquant. Lui aussi. Trois encoches et demi. Ok, chef. Il a cassé sa pipe. Il est mort. Ça, c'est magnifique. J'ai vu un mec bouger. Ah, il a rejoint son pote là. Mets-en deux d'un coup. Je prends l'autre. Collate. 4 en coche. Collate et shot. 3, 2, 1. Bam. Je l'ai tué. Travail de pro. Nickel ça. Là-bas, on peut tuer les deux. Hein. Ce sont des civils. Ah merde. Ah merde. Que foutent ces civils ici? L'écloserie est en activité. Il faut bien que quelqu'un nourrisse les poissons. Comment on fait pour... peuvent le voir. Trouvez un endroit d'où vous pouvez en tuer deux d'un coup. Oh. Attends, ils sont posés comment?
Il faut que je me décale soit à gauche, soit à droite. J'irai à droite. Attends, on va se décaler un peu sur la droite. Oh, j'adore cette mission. Bon, là, c'est tranquille, tu vois. Tire au sniper. Ah, je me suis trop décalé. Attends, ah non, je suis pas assez décalé. Bah attends, mais faut que j'aille loin, ça veut dire. C'est bizarre. Y'a du monde ou pas? C'est safe. Attends, je regarde après. Non, faut que j'aille trop loin. Il fallait que j'aille... Non, en vrai, là, au fond, je peux les avoir. Attends. Presque. C'est bizarre que je me décale autant. Il est vu par deux autres types. Changer de position pour en descendre deux d'un coup. Voilà, c'est deux d'une seule balle. Je prends le troisième. Combien? 4 en coche. Il faut que j'attende qu'il mette son crâne là au niveau du nombril. Et là, s'il fait ça, c'est bon. Allez, allez. Ah, c'est trop juste là, je résume pas. Ouais, mais attends, là, ça touche pas. Hein. À part si c'est une balle de baseball. Nickel. C'est la terre. Ça, c'est du tir. Il reste que eux, non? Normalement. Ouais, il reste que eux. Patience, sergent. Plusieurs membres du cartel peuvent le voir. Attendez, ils vont finir par se séparer. Au pire, on fait double collate, hein. Toi, tu fais une collate, moi, je fais une collate. On rentre chez nous, hein. On va se mettre derrière le caillou ici. Je pense que ça va le faire. J'espère, il n'y a pas de. De petits campeurs là. Voilà. Là, on est bien là. Ah, presque, hein. Attends, il veut que j'aille où là? On continue. Ah, position. Là c'est mieux. 3 en coche et demi. Comme tout à l'heure, faut qu'il rapproche son crâne l'autre. Hmm. 3 en coche et demi. Ouais mais là ça touche pas là. Non, je trouve pas ça ouf. Attends, je change. Désolé captain. Ah c'est bon, attends. Ok. Bon là normalement c'est bon. 3, 2, ah, il a passé de souffle. Eh, faut travailler le cardio, hein. C'est parti. Net et sans bavure. Pas mal. Je vois que l'entraînement de tireur d'élite éclaireur sert encore à quelque chose. Bon, c'était un petit peu loin, en vrai, mais on a fait ça propre. C'est l'essentiel. Oh oui. On le rejoint, qu'est-ce qu'on fait? Il est le capitaine là. Droit devant. Et bien camouflé, hein. On dirait un skin rose. Ça me rappelle les bons souvenirs de Verdansk. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il reste du monde? Qu'est-ce que vous voulez, capitaine? Il reste peut-être quelqu'un? Gaz, ce sont des civils. Ah, on a peut-être. Ah merde! Éliminez-le. Je prends l'autre. Deux en coche et demi. Bam! Ça, c'est un tir mortel. Eh, je les avais pas vus! Je crois que c'est bon. Ok. Descendez et trouvez un moyen d'entrer. Je vous couvrirai d'ici. Oh! Allons-y ensemble. Deux valent mieux qu'un, non? Pourquoi moi et pas vous, capitaine? Allez. Pourquoi moi et pas vous, capitaine? Ah. Parce que je suis le capitaine et vous le sergent. Allez, en route. De toute façon, il avait que des mauvaises réponses. Ouais, c'était que de la merde. Je ne vois aucun mouvement de mon côté. S'ils transportent vraiment des missiles, soit ils sont partis depuis longtemps, soit ils sont à l'intérieur. Je vote pour la deuxième option. Bon, on a tout dégagé, vas-y, on court. Vous plaisantez, il y a une sacrée trotte. Tout le monde n'a pas pris course à pied à l'université, Kate. Je cours toujours, figurez-vous. Faudrait juste que j'arrête de fumer. Vous fumez, Laswell? Eh oui, au grand désespoir de ma femme. J'ai arrêté. Mais c'est plus fort que moi. Je peux te proposer un cigare? Arrêtez-vous. Gaz, des véhicules sortent de derrière le bâtiment et se dirigent vers vous. Ils ne vous ont pas vu. Allez-y doucement. Ah, ils sont là. Cachez votre arme, Gaz. Oh la merde. J'ai
J'espère qu'ils vont pas prendre un raccourci et m'écraser, hein. Ils sortent des véhicules. Vous pouvez les éviter en restant immobile. Si vous cherchez l'affrontement, vous êtes sûr de le trouver. Merde. Oh non. Une armure. Si vous devez attaquer, visez la tête. On va pas attaquer, hein. On va reculer tranquillement. Leur camion, il fait un bruit de tracteur, là. C'est quoi, ça? Oh, le vieux bruit de merde. Oh non. Ouah, c'est GIGN. Oh, on dirait le skin PUBG. Là, ils parlent un peu trop, là. Oh, ils font demi-tour, ces bâtards. On garde le sang-froid, les gars. Bryce, tu peux me dire si je peux bouger ou pas, là? Écrasé. Ils sont mariés ou quoi? Ok, j'avance. Et Price, il pourrait parler quand même. Il pourrait dire quelque chose là, Price. Dis-moi quelque chose, non? Ça va être un peu long comme ça, allongé. Ok, on y va, allez. Allez les gars. Je suis pas sûr de moi, mais je crois que si je passe comme ça en plein milieu de la route, je vais pas être très discret. Allez, on traverse. On regarde bien à droite et à gauche. Voilà. On est dans les clous, c'est bon. Bon bah, on a le temps de discuter. Sinon, ça va vous ? J'espère que vous passez un bon moment. Bon, ça va, ça pourrait être pire. Pour avoir une vingtaine de soldats. Avec des patrouilleurs et tout. On va rester allongé un petit moment, on va pas... Ah, j'ai cru entendre un bruit. On va pas prendre de risque là. Vas-y, on va se lever là. Enfin, on va se mettre accroupi au moins. Pas plus. J'ai peur qu'il y ait du monde en bas. Il y a Sauron là-bas. Oh, j'ai peur qu'il me voit. Il n'y a plus personne, hein, on est sûr.
whisky là. Ok. Et normalement c'est bon là, on peut courir. On voit Captain Price ? Oh, regardez, il est là. Eh ouais, mon pote. Je passe la porte. Oui. Trouvez un moyen d'entrer. Il faut qu'on sache si les missiles sont à l'intérieur. Ah là, y a pas que les missiles, là, frérot. Hein. Attends, mais ils sont combien ? Et on peut passer par le toit ou pas ? Incroyable. Oh putain. Libérez le gaz lacrymogène. Déploie du gaz lacrymogène. Tenez-vous prêt, capitaine. Bien reçu, je suis prêt. Lacrymogène. Équipé. Visé. Relâché. Fallait pas faire ça? Bah attends, il est mort. Ok. Je sais pas s'il fallait faire ça. En vrai. Oh! Faut lever la tête, trou du cul. J'en ai eu un. Bien joué. Ouais, je sais pas si c'est ça qu'il fallait faire, mais bon. Attends, merde. On va faire ça. Comme ça, on va les capter. Il y en a un en bas. Entrepôt dégagé. Le conteneur est à l'intérieur. Fouillez-le et voyez s'il y a une quelconque trace des missiles d'Assan dans cet entrepôt. Oh le chien. Ah ouais, il en a une botte. Est-ce qu'on peut le voir de là? Ce serait drôle. On n'a pas une arme secondaire? Ah voilà. Regardez à l'intérieur du conteneur, sergent. Attends, il y a un mec là. C'est parti, on y va? Attends, mais le thermique il me perturbe de ouf. Ouvrez ce conteneur, les missiles sont peut-être à l'intérieur. Ouais, ok, c'est là. On y va. On fouille. Ah, je prends un petit peu trop mon temps. Oh non. Les merdiers. C'est de toute évidence un avant-poste du cartel. Qu'est-ce que vous voyez? Des tonnes de drogue. De la bonne. Et des armes. L'entrepôt déborde d'armes à feu, de cachetons, de matières premières. Hassan a trouvé un marché juteux avec le cartel, mais on n'est pas là pour la drogue. Ce sont les missiles qui nous intéressent. Gars, faites attention. Des soldats blindés arrivent depuis l'autre bâtiment. Ils sont 5. Je vous conseille d'utiliser le capteur cardiaque et de leur mettre une balle dans la tête avec votre fusil de précision silencieux. Ok, on fait ça. On va garder le toit. Ouais, une balle en pleine tête, ça tue. Hein. Oh oh. Ah, ils sont... Ah, merde, les voilà. Merde, j'étais repéré du coup. Et de deux. Ah putain, c'est lui qui tire. Bien joué. Ah, ça c'est... Attends, t'es qui toi? Ok, ça c'est gentil. Ils sont les deux en bas de moi? Ça fait trois. Bah vas-y, continue. Hein. Il y en a deux en dessous. Et le reste, c'est des civils. 4. Bon allez, vas-y. Hein. On laisse faire Price. Et 5. Et voilà. C'est bien, vous savez compter, chef. Vous vous marrez bien. C'est pour détendre l'atmosphère, capitaine. Vous avez raison de rire, ça va
Restez concentrés, les gars. Bien, madame. Ne m'appelez pas madame. N'oubliez pas que je suis plus rapide que vous. Zone nettoyée. Les narcos ont connu une mort subite. Je veux savoir s'il y a des missiles. Allez voir dans l'autre bâtiment. Même principe, Gaz. Vous pouvez forcer l'entrée. Utilisez les fenêtres de toit ou envoyez du gaz lacrymo dans le conduit d'aération pour les faire fuir. Vas-y, on fait ça. Mais c'est le bâtiment là-bas. C'est sûr, là-bas, il y a les missiles. On va prendre... Ah, je peux pas prendre mon arme secondaire, là. Ou c'est normal ? Ouais, je peux pas. Bizarre. Oh merde. Ouais, mais ils sont tous dedans. Mais il a combien de portée 45 mètres. Ok. Vas-y, on fait la même, on les fait sortir avec le gaz. Comme sur Warzone. Vous avez des charges pour les portes si besoin, sergent. Du gaz lacrymo pour les conduits d'aération ou des fenêtres de toit pour les attaquer du dessus. On va faire tout en même temps. Ça veut dire que là je prends ça. Donc ça c'est la porte. Hop. Appuie deux fois sur carré. Il y a une autre porte ou pas là? Là. Pourquoi? Il m'a dit d'appuyer deux fois sur carré. Ah, on peut pas mettre deux charges? Mais si, on peut mettre deux charges normalement. Bon, ça va, ils ont pas compris ce qui s'est passé. Bah, normalement, c'est ça, non? Tu peux mettre deux charges et. Et après, tu fais péter, non? Et double carré? Pour faire péter individuel? Je sais pas. C'est pas grave. Attends, mais c'est prendre des grenades. Hop, cadeau. Mais je comprends pas pourquoi je peux pas prendre mon arme secondaire, triangle. Ouais. Attends, on va reprendre le capteur, on va savoir où ils sont. Il dit beaucoup de gros mots, lui. Ah, c'est pas pratique, hein. Il est mort. Bon, allez, tiens. Faut lever la tête du cul. Ouais. Bien dit ça. Ils font le tour. J'ai pas envie de rentrer dedans là. Je sens que je vais me faire détruire. Ils sont où ces noobs? Il y a deux étages ou quoi? En vrai, je jette des grenades et tout là. Ça se trouve, il y a le missile à l'intérieur. On va tous se faire sauter. Bon, vas-y, on va descendre parce que je les vois pas. Ah, y'a des ennemis. Neutralisé. Ah, je peux pas prendre d'armes automatiques là, c'est trop la merde. Écloserie dégagée. Je vois aucun conteneur assez grand pour un missile. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Faites le tour. Voyez si vous pouvez trouver autre chose. Tout de suite. Vas-y. Ah. Non. J'ai trouvé quelque chose. Quoi? Oh, souterrain. Un document avec des schémas. Cet endroit est plus grand qu'il paraît. Ah, son micro, il a bugué là. Qui passe sous le phare. On devrait
devrait se regrouper et rejoindre le phare. Retrouvez-moi à l'extérieur. Bien reçu. Attends, tu vas dans le phare? Attends, ils ont fait un truc de fou là par contre. Objectif. Ah ouais! Oh, tu m'as fait peur. Ah! J'ai retrouvé mon arme. Ok. C'est bon. Là, je suis plus à l'aise. Phare, c'est la clé. Mais ça veut dire, s'ils envoient un missile et que c'est sous le phare, enfin, l'entrée c'est par le phare, le truc il va décoller de sous l'eau ou... Oh. Il est tout seul. Deux autres peuvent le voir. On fait la même chose. Un endroit d'où vous pouvez en tuer deux d'un coup. Ok, on fait la même chose que tout à l'heure. Lui il est seul. Combien d'encoches? Deux encoches et demi. Il porte une armure. Si vous devez attaquer, visez la tête. Oh putain. Mort la poussière. Joli tir. Reçu, restez sur vos gardes. Ils doivent pas découvrir les corps de l'autre patrouille. Ouais bah on va faire ce qu'on peut hein. Il est seul. Deux encoches et demi. La fumée. Bien joué. Là y'a du monde. Vous en prenez un, je m'occupe de l'autre. Il est tout seul. Deux encoches. Il a cassé sa pipe. Retraite anticipée, il est seul. Deux encoches et demi. Je l'ai tué. Fin de parcours pour lui. Tiens, eux là. Je m'occupe de son pote. Deux encoches. Ah, abandon de poste. Bien visé. Là, pareil. Je me charge de l'autre. Deux encoches. Je lui ai mis une balle. Parfait. Ok. Alors là, normalement c'est bon. Il est vu par deux autres types. Changer de position pour en descendre deux d'un coup. Là-bas, ils se rejoignent. Quand vous voulez. Je m'occupe de son pote. Deux encoches et demi. Il porte une armure. Si vous devez attaquer, visez la tête. C'est fini. Bien joué ça. Le talent se perd pas. Il n'y a que lui. Deux encoches et demi. Il porte une armure. Si vous êtes dans le mille. Joli tir. Deux autres peuvent le voir. Trouvez un endroit d'où vous pouvez en tuer deux d'un coup. Il faut que je me décale. On va essayer d'être plus rapide que tout à l'heure. Bon ça va, ils sont moins nombreux. Ah ouais, on les voit même pas là, sans thermique. Là c'est bon. En place. Deux encoches. Ils portent une armure. Si vous devez attaquer, visez la tête. Attends, trop de feuilles là. Attends, double headshot. Attends, il dit combien? Deux ou deux et demi? Deux encoches. Ok, merci. Attends, il faut qu'il se rapproche. Écoutez mes indications de distance et anticipez les déplacements de vos cibles. Ah, j'ai tenté, j'ai échoué, hein. Bon. Il reste eux. Il est dans le champ de vision de deux autres types. Vous pouvez changer de position et en éliminer deux d'un coup. Vas-y. Ah, c'est le premier tir que je rate. Ah, je me sens coupable. Je les ai en ligne de mire. Deux encoches et demi. Ils portent une armure. Si vous devez attaquer, visez la... Boum. Ni vu ni connu. Travail de pro. Avancez vers la base du phare. Je vous couvre d'ici. Allez. Ah, c'est encore à moi d'y aller. Vous avez fait ça si bien la dernière fois. Ah. Bravo pour Watcher. Le sergent Garrick se dirige vers le phare en ce moment même. Gaz, je vois du mouvement sur la route en bas. Oh non. Encore. Il s'arrête et sort des véhicules. Cachez votre arme, Gaz.
capitaine. Ces types sont pas du cartel. Laswell, vous avez entendu ça? Affirmatif. Gaz, il parle arabe. Ah, je suis pas sûr. Je les entends pas, là. Je suis pas sûr. Ça doit être Al-Qatala. Les hommes d'Hassan. On les a pas entendus parler, perso. Ils vont pas venir... Ah ouais, c'est eux. Ils vont pas venir côté du caillou, là. Hein. Oh, la pression, tu vois rien, là. Et Price, il parle pas. Ok, on s'avance un tout petit peu. Un tout petit peu, hein. Oh merde. Ah oui, c'est vrai, ils font un demi-tour. Ok, c'est bon. J'espère qu'il patrouille pas, lui, qu'il va rester à sa place. La famille, les amis, tout va bien? Allez, on se casse. En vrai, elle est longue, cette petite mission. Hein. Bon, après, ça se trouve, j'ai pris beaucoup mon temps pour certaines choses, mais... On n'est pas mort une seule fois. C'est l'essentiel. Ça se trouve, c'est la mission qui va tout déterminer. On va savoir où vont les missiles. Pourquoi? Qui? Cou? Comment? Quoi? Quoi? On y va! Attention, à deux doigts de me lever. Hop là! On y va! C'était moi une. J'ai pas attendu ton accord, hein. Je parie que c'est Al-Qatala, les hommes d'Hassan. Si Hassan a posté des soldats ici, c'est qu'il se trame quelque chose. On arrive peut-être trop tard. Il y a plusieurs annexes autour du phare. Vous devriez aller voir. Le système du sac à dos est vraiment incroyable, par contre. Oh merde! On fait quoi? On doit tout nettoyer ou juste on avance au phare? Oh vas-y, je vais pas tous me les faire là. Il faut vraiment que je rentre. Mais je vais pas survivre à toute cette merde. Dans mon sac à dos, j'ai... Ah ouais. Oh là là, il faut que je me les fasse. Ah mais ils sont trop nombreux. C'est quoi l'objectif? Nettoyer les bâtiments. Aïe aïe aïe. Aïe caramba. C'est verrouillé en plus. Ah, souhaitez-moi bonne chance, les gars. Ça va être la fête. Ah, j'avoue, on peut pas tout éteindre. Bon, en même temps, il fait jour. On va commencer par eux. Il y a une caméra. Caméra. Ah, ils m'attendent.
Ils savent. C'est-à-dire, je rentre, je défonce la porte. Option d'entrée, sergent. Faites-moi signe si vous avez besoin d'aide. Dites-moi, vas-y. Quoi ? Faites une entrée explosive. Éliminez-les depuis les fenêtres de toit ou envoyez du gaz lacrymo dans le conduit d'aération pour les faire sortir. Reçu, je me mets au boulot. Attends, il faut que je monte sur le toit là ? Par là ? Nickel. J'avais pas vu ça qu'il y avait. On fait la même technique à chaque fois, mais au moins, c'est la technique qui marche. J'attaque depuis le toit, couvrez-moi. Oh là là. Ils ont des blindages. Ah oui. On les a même pas entendu sortir. Tireur abattu. Il est mort. Intérieur dégagé. Gaz, vous devez faire le ménage dans ce garage et nous dire ce qu'il contient avant de continuer. Tout de suite. Ok. Mais en vrai, c'est la technique, on les fait sortir et Price les tue tous. Hein. Vas-y, on va essayer une autre méthode parce que là... Ok, ils sont juste là. Ouais, si je rentre tout droit, je suis mort. Et j'ai envie de rentrer autre part que par... Attends, encore là. Ah, ici, c'est dégagé. Ah non, y'a un mec caché. Attends, on y va. On y va en mode discret. Oh non, c'est verrouillé. Ah, donc on est obligé par les... Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, on est obligé par là, du coup. Depuis le toit, couvrez-moi. De toute façon, j'ai plus de gaz. Ah, je peux plus les faire sortir. La mort vient du ciel. Allez, tu meurs, toi. Je sais pas si la grenade c'est une bonne idée, mais allons-y. Vous avez des fuites de toiture. J'aime bien les répliques. Hop. Il reste du monde ou pas? Un mec, 9 mètres. 2 mètres. C'est dégagé. Garage dégagé. Fouillez-le. J'ai trouvé quelque chose. Des boîtes et des caisses. Toutes russes. Qu'est-ce qu'elles contiennent? Elles sont vides. Depuis peu. La Russie collabore avec l'Iran. Ils aident peut-être Hassan directement. C'est plus grave que ce qu'on pensait, John. Bougez pas, Gaz. J'arrive. On doit trouver l'entrée de ces tunnels. Russie, cartel, Al-Qatala. Tout est ensemble, hein. C'est la Suicide Squad. Bon, l'objectif, c'est vraiment pas que je meure. Je fais pas tout bien, mais... Bon, ça passe pour l'instant. On a quoi comme arme? J'avoue. Et en plus, on voit les camos, du coup. J'entre, Gaz. Ne tirez pas. Camo et l'arme. Cherchez le point d'accès au tunnel. Ça peut être un passage caché derrière un meuble ou une trappe au sol. Cherchez l'entrée des tunnels. Ok. Continuez de chercher. L'entrée des tunnels est forcément quelque part par là.
Étudie les murs. Je regarde par terre. Ok, moi c'est les murs. Les murs. Ah ? Je crois que j'ai trouvé quelque chose ici, capitaine. Oh ! Deux pouces, vous tirez. Ok. Kate, on a trouvé un passage. Bien. Regardez ça. Bingo. Attention, des bateaux. J'ai glissé, chef. C'est rien. Je veux bien. Quelque chose ici, capitaine. Donnez-moi un coup de main. Je pousse, vous tirez. Ok. Kate, on a trouvé un passage. Bien. Regardez ça. Bingo. Attention, des bateaux approchent de ma position. Besoin d'aide? C'est peut-être des pêcheurs. Restez concentrés sur la mission. Suivez-moi. On y va doucement. Ah, les doigts. Bien joué, capitaine. Le cartel adore les tunnels. J'aimerais pouvoir en dire autant. Honneur aux aînés, capitaine. C'est immense. Ça doit déboucher dans la mer. Kate, on est dans les tunnels en direction de la côte. Tout va bien? Les bateaux s'approchent de plus en plus, mais RAS pour l'instant. Ça me plaît pas, Kate. Ça fait partie du boulot, John. Vous devriez pas être toute seule. Je ne suis pas seule. Je suis armée et dangereuse, capitaine. Terminé. Oh, c'est pas mal. On arrive au bout. Hey, regardez ça. Un sous-marin. Bordel de merde. Oh, je l'avais pas vu. Le cartel s'en sert pour le transport. Ce truc est assez grand pour un missile. Tout juste. Il aurait du mal à traverser l'Atlantique dans ce truc. Kate, on est dans une grotte sur la côte. Pas de personnel, pas de missile. Reçu. Je suis en face. Je crois que j'ai des problèmes, John. Reçu, on va vous aider. Gaz, pointez votre arme vers l'océan. Qu'est-ce qui se passe? Les bateaux se rapprochent. Je crois que c'est Alcatala. Ils sont armés. Contact! J'attaque! Kate! Non! On les voit pas de là. Merde! Mets à bord! Kate! Kate! La zone! Merde! Fais chier! Je vois pas ce qui se passe! Ils l'ont prise au piège, elle est cernée! Alcatala est à bord! Ils s'en prennent à moi! Morfond le sac! Vous êtes possible à l'arrêter! Jamais je ne me rendrai! Trou droit! Putain, j'ai pas de shoot là, comme par hasard! Je vous interdis de me toucher! Laswell! Laswell! Elle est sur le bateau d'Alcatala, ils l'emmènent! Ils la tiennent, capitaine! Ils ont capturé la Zoelle. Faut qu'on quitte la zone et qu'on aille parler à Shepard. Non. Allons-y. Non, vas-y, c'est de la merde. Il faut qu'on libère la Zoelle. Allons-y. Ah non. Ça prouve qu'elle est en vie. On sait d'où ça vient? Du Lurzikstan. Là. Il pointe vers l'est. Probablement vers Al-Mazra. S'il l'amène là-bas, on pourra pas la sauver. On dirigera le sauvetage. Hors de question, John. Pourquoi pas, général? C'est un bras de fer, soldat. Il faut résister, pas attaquer. Depuis quand? Depuis maintenant. On ne peut pas envoyer la cavalerie comme ça. Une telle opération demande de la préparation. Ça demande de la violence et de la rapidité. Ma spécialité, c'est la vie de Kate qui est en jeu, bon sang. Je comprends que vous soyez contrarié, capitaine. C'est arrivé pendant votre mission et c'est difficile à accepter. Donc on va l'abandonner, c'est ça? Je dis simplement que je ne veux pas vous aider. Mais je ne vous arrêterai pas.
Donnez-moi 12 heures pour la ramener. Ne mourrez pas en essayant, John. C'est pas ce que voudrait Laswell, et moi non plus. Je pensais que Kate était votre amie. On ne pense pas aux amis en temps de guerre, seulement aux ennemis. Bonne chance. On va attaquer Alcatala de front et sur leur territoire. Je parie qu'ils seront des centaines à protéger Laswell. Il nous faut une armée. Peut nous en trouver une. Ça, ça me plaît, ça. Let's go, baby. Commandante, Alcatala est là. Reçu, je les vois. Rendez-vous au point de ralliement et attendez qu'on arrive. À vos ordres. Capitaine, ici Farah. C'est l'heure. Reçu. Atterrissage dans une minute. Malheureusement, on doit s'arrêter sur ça, mais franchement, la mission était vachement cool. Après, voilà, c'est un petit peu long parce que c'est de la reconnaissance, de l'infiltration, mais on sait que Farah fait son grand retour. Et en plus, il y a eu Nikolai qui a fait son retour avec son petit hélicoptère, ça a fait plaisir. Putain, ça a l'air de chauffer d'ouf. J'ai trop hâte de continuer, mais bref, on doit s'arrêter sur ça, malheureusement. Mais on continuera très prochainement. J'espère que cet épisode vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, faites-le moi savoir grâce au pouce en l'air et dans les commentaires. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.